vous avez la partie qui s'est cassée et donc la partie qui est venue amorcer avec la charpente métallique. Quand vous voyez, quand vous regardez là, entre les deux colonnes isolantes, vous avez ce qu'on appelle une tendue horizontale qui permet de faire la jonction entre les deux colonnes isolantes. Là, en fait, sur ce sectionneur d'aiguillage, entre les deux colonnes isolantes, la tendue, en fait, s'est cassée. Et donc, on vient de la déposer tout à l'heure, elle s'est cassée, et en cassant, elle a basculé vers le bas, sachant qu'il y a 201 000 volts dedans. Et donc, en basculant vers le bas, elle a fini par amorcer avec cette charpente métallique. Et c'est ça, donc c'est un défaut électrique, comme chez vous, quand il y a un court-circuit. Et quand il y a un défaut électrique, il faut qu'on mette automatiquement, c'est des protections, automatiquement hors tension l'ensemble des installations, de manière à isoler la partie en défaut. Et donc derrière, il a fallu prendre le temps d'aller voir ce qui s'était passé sur le terrain, de comprendre, de nous assurer qu'il n'y avait pas d'autres choses qui s'étaient produites à proximité, de remettre sous tension les installations qui étaient saines, ça veut dire sans défaut, et derrière, de réalimenter progressivement tous les clients qui étaient coupés. Alors, ce sont ce qu'on appelle des sectionneurs rotatifs, donc qui tournent, et en tournant, en fait, progressivement, il arrive que ça se grippe, et en se grippant, à force de forcer sur la plage de raccordement, eh bien la plage a lâché. Alors, vous avez là, voilà, c'est la tendue qu'il y avait auparavant entre les deux sectionneurs. Et donc, vous avez la partie qui s'est cassée. Et donc, la partie qui est venue amorcer avec la charpente métallique. Et on voit les traces d'amorçage et même du métal qui a fusionné et qui a disparu. Hop. Et j'ai symbolisé les postes coupés. Voilà. Donc l'incident s'est produit au poste électrique de Crenay et a entraîné la coupure donc, du poste électrique de Crenay, mais d'un certain nombre de postes, de 4 postes, 5 postes qui alimentent l'agglomération troyenne, et d'un certain nombre de postes de transformation 63 000 volts de l'Aube, Avreuil, Polizot, Châtillon-sur-Seine et Saint-Par-les-Vaudes.